si nous créons de la richesse, je vais encore plus loin, cela suppose que sur notre PIB, 20% seulement de notre PIB est à nous. Le reste, c'est de la richesse que nous créons de façon monétaire pour la France. C'est elle qui... les États de l'Afrique de l'Ouest, en fait, qui est une subdivision du ministère des Finances français. En son sein, il y a des représentants qui siègent au conseil d'administration et qui ont voix prépondérante. Ces gens-là contrôlent notre économie dans sa forme la plus réelle. Un autre exemple, les décisions prises au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest doivent être soumises au ministère des Finances français avant leur approbation. Ce sont de petites choses qui ne paraissent pas dans les textes, mais des pratiques qui montrent à souhait que la France a installé un système depuis 1945, depuis la création du franc CFA, de cette monnaie qui est leur émanation, qui est leur création. Ce n'est pas la création des Africains. Les Africains n'ont jamais choisi encore leur monnaie. Alors, cette... façon de faire qui consiste à mettre la main sur notre économie pour perpétuer une certaine domination, elle doit être remise en cause. C'est ce que l'Assemblée nationale va tenter de faire en posant les questions fondamentales liées à l'existence encore de ce franc CFA et à l'existence d'un écho, une monnaie qui à l'origine a été discutée, a été mise en place, a été conçue, en tout cas en théorie par la CEDEAO, mais dont la France a essayé un peu de déstabiliser sa mise en place qui devait intervenir depuis 2019 et qui aujourd'hui est un peu secouée par cette tentative de déstabilisation de la France qui continue, mais dont les peuples doivent s'en saisir pour réellement prendre leur indépendance économique et financière. Tout simplement, pourquoi il faut prendre son indépendance économique et financière? Dans votre poche, si vous avez aujourd'hui 1000 francs, 20 francs simplement sont à vous et 80 francs appartiennent à la France. Ça veut dire que 80% de nos revenus en réalité sont captés par la France avec cette monnaie-là. Pour un salaire de 40 000 francs, 8 000 francs seulement sont à vous. Et 32 000 francs, structurellement, sont la propriété de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons pour la France. Ça veut dire que nous travaillons pour enrichir la France. Si nous créons de la richesse, je vais encore plus loin, cela suppose que sur notre PIB, 20% seulement de notre PIB est à nous. Le reste, c'est de la richesse que nous créons de façon monétaire pour la France. C'est elle qui...